Ok! Et salut à tous, c'est Rikalkos, on est parti pour la suite des aventures de Final Fantasy IX. Et oui, encore et toujours, ça ne veut pas s'en finir. Plus j'essaye de me dire que je m'approche de la fin, plus il me laisse encore des grosses zones à explorer, avec plein de boss à affronter. Ça n'en finit plus. Enfin, je dis ça, c'est parce que j'ai reçu un commentaire récemment que dans deux épisodes précédents qui envoie un commentaire du genre. Et encore sur ce jeu-là, bah ouais, bah tant que je l'ai pas fini, ce sera encore du let's play Final Fantasy IX. Hein. Je fais ce que je peux, mais bon, il y a tellement de trucs à voir, des petits détails. Regardez ce magnifique paysage, on peut pas s'en lasser. D'ailleurs, il y a même pas un petit combat, vous avez vu. Enfin, bref, je vous avais laissé la dernière fois à cet endroit, qui est une zone de souvenirs où il y a plein d'objets qui volent, il y a des ennemis, faut que je fasse gaffe. Et il y a surtout un boss qui est plutôt rotor. Il est un petit peu plus loin en plus, hein, les boss s'enchaînent ici. Je pense qu'il y en a trois que je vais devoir affronter, vu que c'est les gardiens que j'ai pas affrontés tout à l'heure. Waouh, quel grand mot de dire tout à l'heure. Non, mais quelques semaines. Là, j'ai intérêt à pas monter parce que c'est là que je vais affronter le boss. Et du coup, on va entraîner un peu nos persos qui sont que niveau 45, 44, 49 quand même, j'ai envie. J'ai l'impression quand même que j'ai un peu de retard au niveau des PV. Pas au niveau des dégâts, les dégâts ça peut aller, mais au niveau de mes PV je me fais presque one shot par les gros boss, et il y a quelques fantômes qui me permettent de faire des jeux de cartes qui sont en train. Essayer de monter le maximum de personnages au niveau 50 avec un Zidane qui va être niveau 60. Je pense qu'on est bien. On va être bien. C'est vrai que j'ai mis. J'en ai mis un qui est mis en mode. En mode français. C'est toxique. Je sais que je prévois des anti un truc un peu plus défensif. Voilà mon bébé. Là, mes persos, j'ai même pas. Ils ont à peine 3000 PV quoi. Je commence à être un peu faiblard. Raté! Tant mieux. Les gars, 3007, ça commence à être sympa. 5. Juste en termes de dégâts de base. Hein. Lui ne meurt pas parce qu'il n'est pas sacrifié, tout va bien. Je pense que le poison lui fait enlever des MP. Le souffle de tout d'un cœur. Tout des bêtes. Oh, comment déjà à rater. Du coup, il peut envoyer un bisou. Oh merde. C'est pas gentil. Coup de bâton. Mais arrête de rater, non, je vais perdre ta race. Ça commence déjà. Double raté, non mais... Le jeu, il m'aime pas. Je peux pas finir dans ces conditions, je suis désolé. Le gars a fait plus de dégâts que Zidane là, c'est pas normal. Laisse-moi avancer dans le jeu. J'ai un tarot qui flotte et qui meurt. Ouais, ça veut plus rien dire ça. Il dit il peut plus bouger depuis au moins 5 minutes là. Oh, j'ai perdu Daga aussi. J'adore le cadavre de Tarot. Notre équipe est constituée d'un fantôme. Oh, Vivi n'a pas d'XP, il est 44, merde. J'ai oublié. Le toxique, il y a virus. C'est du fric. Mais quoi, t'as pas les funas, toi?
Là. Tu l'as pas? Je vais vous annoncer un truc. Echo est une meilleure heal que Daga. Une gamine est meilleure que une healeuse adulte. C'est ça la magie de Final Fantasy. Allez, un autre. Suivant. Espérons que ça se passe beaucoup mieux que le précédent. C'est tout où j'en suis au niveau de mes compétences. Force de faire ça toutes les semaines, ben on sait plus où on en est. Voilà, ça a dû jouer. Brasier. C'est pas grave, Tarak. Tu peux survivre. T'as plein de PV. Fais un peu de régène, tranquille. Voilà, encore deux coups de régène et c'est bon. Tu pourras survivre à la prochaine attaque. Encore un. Merde, j'ai fait attaquer. Non. Voilà, c'est bon. Je pense que Tarak survit à la prochaine attaque. Putain! Faudra encore un. Voilà, deux auto-récup et on est parfait. 200, mais. Coup de bâton! 3100, ça prend cher pour une armée. Ok, coup de bâton. Il y a plus de 65 MP, il va falloir que je tente. Oh, il a pas survécu, il se prend 1009 de dégâts! Merde, je m'attendais à du 1002 moi. Coup critique à 200. Non, en vrai, j'adore Tarak qui flotte dans les airs tout ça là. Touché Tarak, touché. On va avoir besoin de toi tout à l'heure hein, quand même, parce que c'est toi qui va faire les gros dégâts. C'est pas bien d'insulter Bibi Bibi. Je te laisse pas faire Bibi. Invincible. Alors Bibi, c'est où ton invincible? C'est ça, c'est plus près du coup. Un peu qu'à 20 et c'est tout. Auto-lévite, très bien. Attends. Quand même au cas où. Daga. Un coup de vie. Et un coup de soin max pour finir. Juste au cas où. Alors 19 tempes en réserve. On peut tenter un petit level up de Bibi avant de... Ça sert à rien, on va rien voler. Bon, est-ce qu'on peut éviter que Tarak meure comme une pauvre merde? S'il vous plaît. Ouais, si tu fais ça, ça va pas te faire. C'est de la merde. Souple toxique. Sur Bibi. Ça va, lui, il a des temps.
rapide, tout con. Bisous. Ah, mais j'ai pas les sous-notes sur. Oh, il peut survivre. Allez. Allez, t'es rapide. Tu peux. C'est comme notre Zidane, lui il est rapide. Paf. Il a pas de vitalité. Putain. Mort comme une pauvre merde. Quand même, j'ai besoin de deux. Le problème, c'est que ça dépasse Zidane. C'est aussi. Merde, on a perdu Zidane. On a perdu un des bourrins, merde. Direction. La bille. À Zidane. Oh, qu'est-ce qu'on veut? Faut que tu rates tes coups comme ça. Voilà. Les gros dégâts, les patates de fourrin. Allez. Allez, la patate de Taras. Et non! Zidane, lui, automatiquement, avant que tu puisses faire ta grosse attaque, il repasse en normal. Il a beaucoup trop de niveau, donc beaucoup de vitalité pour pallier ce problème. Bibi maintenant. Il va pas tarder à mourir. Il va s'acharner sur Bibi avec un petit coup de bise. Le bise. Objet. Remède. Bibi, va te faire foutre. Est-ce qu'il est possible de faire level up Bibi? Merde. Ah, bah c'est bon. Triple level up. Est-ce que ça marche? On va gâcher un peu. Vaccin. On va repartir sur une tente, on va sauvegarder. Bibi. Non, active. Je veux que t'actives. Non. Mutisme. Morto. Poison cookie. Aussi les pétroles. J'ai les chaleurs. Compétence plus. Non, enlève-moi ça. On va te faire ça. Ni chaud ni froid. Et mitriade. Donc on est bon. Ouais, compétence plus, on s'en fout. Mobilis, c'est bon. Morté par l'autre. T'as pas le. Inflige les mêmes dégâts que la chimère Odin. Ça reste à peu près déjà tout, à moins de gagner 10% d'HP en plus ou. Partir il a déjà je crois. Le tout doux. Espèce de confusion. Pas une toxique. Personnage à 3700 PV. Je pense que c'est bon. L'objectif c'est de faire un aller-retour sans rencontrer d'ennemis. Donc là, allez, c'est bon. Une petite tente.
Et on va commencer à tryhard le boss, mais en mode combat, on va pas faire de vol qui dure 2 heures. Pas comme la dernière fois. Tant pis s'il y avait un truc intéressant. Je trouve ça quand même un peu dommage de partir sur ce genre de truc. Il y a un autre jeu qui est pareil, qui force de commettre des vols parfois parce que sinon on rate des loot intéressants. C'est FF12. Une fois que je parle pas d'FF12 en bon. Bon, la différence c'est que je connais tellement par cœur FF12 que je sais quand il faut voler. Je ne sais rien dire. Nickel, c'est parti. Je vais le faire en plusieurs fois, il faut que je maîtrise un truc. Parce que lui il fait un coup multiple qui me one shot indirectement. Il faut que je le maîtrise. Il reste un truc. Duken. Touche pas Bibi. Salut Gala! Raté comme d'habitude. Il fait 3100. Pas beaucoup, je trouve. Tant moins. Donc c'est là que tout le monde meurt comme des merdes, c'est ça? Voilà, 2 morts. Un peu dans la merde. Ah, tu meurs aussi quand tu veux soigner. D'accord. Non, il va falloir vraiment que j'arrive à comprendre ce truc. Tant que j'arriverai pas à comprendre cette logique-là, j'arriverai pas à le passer. Donc voilà le problème contre ce boss. Ah, je m'y repris. C'est pas normalement, ça me fait payer avec moi. On va le passer, on va le passer. Aussi chiant que dans FF12 celui-là. Un petit amat. Ah, t'es pas obligé de l'affronter dans FF12 hein. C'était tant mieux. Non mais mon Bibi il est immobile depuis tout à l'heure là. Attendez, il y a un truc qui me casse les couilles là. T'envoyer un Odin dans la gueule pour voir. Jamais, hein. Tant que ça. Clone. Ça, c'est pas très grave à la rigueur. Il y a déjà un mort. C'est une horreur. Un Zetsuken! Ah, oh, putain, je peux pas le faire comme ça. Dommage. On va essayer. Raté, on peut l'endormir. Bleh. Ah. Putain mais... C'est le bocal le... Bon, injection. On ne fait plus rien. Long, ça va pas être long. Parce qu'il m'a vu. Si tu te mets en défense, ça marche ou pas? Apparemment, ça marche. On va ressusciter nos amis quand même. Ah non, la défense, ça marche pas du tout.
Donc du coup j'ai ressuscité la mauvaise personne, c'est la mort. Il force. Il aspire la force de Bibi tant que c'est pas les PV. Bon, j'aimerais bien savoir quand ça s'arrête cette altération de mes couilles là. On va attendre son attaque pour voir si ce boule MP. Il y a pas mal d'MP normalement. On va aller. On s'est re-soigné, tout va bien, on le défonce. Il fait que de la petite magie, tout va bien. Ça me dérange pas. Moins de là. On s'est reformé. Coup critique! Évitation. Malévité. Patronium. 5000, c'est bien. Coup d'épée, 3000. Ah donc une à 7000. Il prend cher là, il prend cher. Ça fait 16. Oh le 6000. Raté. Alors là on l'achète. On le défonce. Et il va prendre hyper cher. Avec un coup de Léviathan là, par respect, il sent le speed force. On voit lui une comète dans sa gueule. Le grand Léviathan! En fait, la fin du monde, c'est moi, hein. Je lui envoie tout dans la gueule. Putain, vous m'envoyez un coup de cœur. Déconnez. MP. Ah non, il fait ça qu'une fois, après il me casse tous les couilles. Je vais t'envoyer une signée. Ça va bien ça. Bon, ah, je me tenterai bien un petit vol, tiens. Mais juste un pour voir. Évidemment, il suffit que je le dise pour que je le tue. C'est le mot magique. Je me tenterai bien un petit vol. Allez hop, ça dégage. Ça pareil sur le boss final, comme ça durera pas. Turbo! Et un Angel Moon. Demi-tour, va sauvegarder rapidos. On va pouvoir continuer. Pas fait de combat, j'ai pas fait. Donc ça fait 2, il devra en rester 1 avant le boss final. Si c'est le dernier lieu du jeu. C'est pas l'abri d'une bonne surprise. Sauvegarde tout court. Adieu les super loups que j'aurais pu lui piquer. Alors que j'ai Divan qui est sur le point de level up. Hein. Donc, niveau 55. C'est pas mal, en 30 minutes on avance. Enfin. Allons-y.
On évite le mob qui est là. Il est chiant celui-là. On découvre la suite de cette zone. Faut pas que j'oublie de fouiller, il y a des bonnes armes pour tous mes persos. Hein. C'est très important. Mais s'il n'y a plus rien, c'est là-haut. Alors. Un peu tard. Double sauvegarde. Oh, non. Un point de sauvegarde caché, putain. On en est là maintenant, il cache les trucs. Non, je sais pas. Donc, il va y avoir un autre fantôme du duel. On connaît. Et maintenant, ils ont tous un anti-poison. C'est pas du poison, ça, il a changé. Il a changé de strat. Il a compris qu'il ne peut plus rien faire avec le poison. Ah non, ça va. Il tombe. Il est tenté. Hein. Une bonne bête. Allez, on défonce là. D'ailleurs, le tournoi, faudrait que je regarde pour ne pas changer un truc. Le bijou. Oh, Vidal. C'est chiant. C'est daga, mais merde, j'ai gâché un remède. En plus j'en avais 70. Ah, elle a pas assez de niveau. Surtout pas assez de vitalité pour se défendre de ça. Pardon. Bah Vivi peut rater ses coups, c'est ça le problème. Stop dans ta gueule. Le bisou sur Bizan. Oh. C'est le gel normalement. Une défense anti-gel. Techniquement c'est ça qui protège. Auto-lévite, c'est bon. Zubi n'a plus besoin de rien. Je récupère le René, je vais nickel. C'est tout ce que je voulais. Un René pour Daga. Ouais. Oh, le René Radin qui me donne qu'un PV. C'est du max, il m'en profite. Je peux pas trouver d'armes, c'est bon. Il y a un fantôme ici encore. Donc ça c'est pour la suite, mais c'est là que ça se passe. Et un truc au niveau de la cloche. Trouver zéro objet, c'est pas normal. J'ai l'impression qu'il faut que je récupère Oh mon dieu! Pas cette merde! Suicide-toi! 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 Va-t'en! Créature du diable! C'est très simple, je t'aime que dans un jeu, c'est FF4. Les autres, t'es une merde. Plein dans le mille, connard. En plein sort de Zian qui vient tout juste de level up en plus, c'est dégueulasse.
Un peu nul. Je déteste cet animal. Donc, pour la peine, j'aurai les cloches pendant quelques minutes. Pauvre merde! Tiens, tiens. On est. J'ai le droit de faire de la merde quand je veux! Bon, après, j'enlève la pita. Il y a un truc à 45. Oh, il y a un truc à 105! Invincible! Je peux rendre Daga invincible. Très bien! Mais il faut qu'elle soit niveau 70 pour pouvoir faire ce truc. On va dire que tu vas être invincible. Comme j'ai dit, dans. Ils sont en 20 niveaux à peu près. Gâche. Oh, je vais juste faire un petit soin. Bon. Y a pas de loup, je l'ai pas trouvé. On continue. Ah, troisième boss, c'est sûr ici. C'est. Les deux lunes. Enfin, pas tout à fait. Mais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Terra! Et voici Terra qui cherche à s'en emparer. C'était il y a 5000 ans. La vieille étoile qui était Terra venait d'en découvrir une nouvelle et se préparait à en prendre possession. Mais Hera était habitée. C'est comme ça que tout a commencé. C'est ça. Je l'ai vu à Hiver. La vie sur Terra était sur le point de disparaître. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait détruire la civilisation sur Hera et forcer la fusion. Mais la vieille Terra n'avait plus assez de force pour tout assimiler. J'ai alors construit l'IFA pour modifier lentement le cours des âmes. Il va y avoir l'arme de Daga ici. Pas un beau bâton là. Ah, c'est pas le boss. Alors ça, ça fait moche. Par contre, le reste de la déco est super. C'est juste le château qui est mal fait. Sinon, le reste est beau. Allez, 2500. On va pas gâcher de la mana ici. De l'armure. On a gâché de la mana finalement. On va plutôt utiliser un peu de mana pour régénérer un peu. Merde, je vais pas taper avec Taras. Ouais, encore Didan. Chakra qui donne. Et donc c'est. Ah bah viens. Raté. Cinquante MP, pas mal. Ça reste qu'il est ultra fort. J'aime bien en plus. Il fait des gros coups de Hadouken. Et en plus, il permet de régénérer la mana tranquille et de se régénérer lui-même de sa mana. C'est ultra pété comme technique. C'est un perso fait pour moi, ça. Oh, la patate à 2000 et il a survécu avec l'auto-régène. Là, il y a beaucoup moins de MP de base. Bien régène. Ok.
pouvoir tabasser. On a quand même Dylan qui a remonté à 2300. Et une auto-récup de ouf. Esquive de Bibi. Esquive du gros mec en armure. Faut quand même le chercher de le rater. Regardez, même les mages arrivent à le viser. Alors allez-y les gars. Et voilà, ils sont tous full vie. Sauf Bibi. Voilà, il va mourir. Il est tué. Non, on a un problème, il va pas trouver. Enfin, je pense pas que... Oh là là, Bibi, tu vas mourir, désolé. Il va faire un coup de Cléo. Titan, on a encore un peu de temps. Allez, Bibi, on se régène. Je sais que t'es dur, mais régène, allez. T'as 913, c'est bien. La régène de Bibi. Oh, level up de Bibi. Ça fait René. On est plein des René. Allez, faut escalader. Je sais pas comment je fais, mais j'escalade. Ah, enfin de sauvegarde. Ok. Allo. On va pouvoir un peu plus explorer cette zone. J'ai quand même l'impression d'avoir raté une arme. Mais je sais plus quelles armes j'avais déjà chopées. Je suis sûr qu'il faut les persos dans l'équipe pour pouvoir... Ah, ouais, ce serait bien d'avoir la fourchette de Queen. La mer, les poissons, ils ont l'air bon, miam. Mais qu'est-ce que tu fais, Quina? Il y a plein de poissons appétissants, miam. J'ai mal à respirer. J'arrive plus à respirer. C'est parce que tu crois d'être dans l'eau. Je sens rien, moi. C'est pas la mer, miam. C'est vrai, je peux respirer maintenant. Mais je vois plus les poissons. Ouais, top 2 secondes, il est censé y avoir la fourchette de Queen Eye, c'est sûr. On va pouvoir tenter l'expérience. J'ai besoin d'améliorer l'arme de Kuna. Tu vas venir juste 2 secondes, tu vas remplacer Taras. Et toi t'es 49. Tu vas me dire si tu trouves ta fourchette ici. Autant pour moi. Autant pour moi. On va garder Kuna quand même. Est-ce que ça va être une bonne idée? Je ne sais pas. Hera aurait été recouverte d'eau. Comment tu le sais? Je ne sais rien. C'est dans les souvenirs que j'ai de cette planète. C'était bien avant ma naissance. Je suis né sur Terra. Je me souviens d'une planète inconnue. Moi aussi, je sais qu'avant, il y avait plein d'eau sur Hera. Il me semble savoir aussi. Est-ce pareil pour vous? Ça veut dire, d'origine, nous prévenions de la même source. Je comprends plus rien. Y a-t-il un boss par ici?
Non, il y a notre ami connard, on se casse. Oh, trop tard. Un boss. Quoi, Cariotti? Les fripoisir. Non, il faut là. Si je peux pas retourner à cet endroit, c'est pas très grave. Bibi est déjà mort. Ah, j'ai oublié de soigner Bibi, c'est pour ça. Pardon, Bibi. Ah, il faut attaquer la gangrène. J'ai pas d'adoquer. La tétanie. J'ai perdu 10 dates pendant un petit moment. Attends, météore, je peux attaquer les trois. Ah, les faux. Un plus. Allez, on attaque tout le monde. Hein. Très bien. H2OX. Non, j'ai des météores à gogo là. Même pas mal. Toujours la gangrène. On va pas faire de gros soins, ça sert pas à grand chose. 1900 PV. Toujours pas de petits soins. Elle a perdu la gangrène, c'est trop bon. On attaque la cariatide. Ping! Non, pas le boss. On va attaquer les gros tentacules. Merde! Non, c'est le Fatima qu'il faut. Ma faute. Sur Kuna, mais ça me dérange, mais absolument pas du tout. Tu peux y aller. Il y a nos Sousai. Il est à toi. Ah, je serais quand même curieux de savoir ce que je rate comme arme pour échouer. Un Trunium! On pourra revenir, t'inquiète. De toute façon, doit y avoir une arme pour tout le monde. Donc, C'était bien relou avec ton truc là. C'est bon. Arrêtez d'attaquer la mauvaise personne! Aquaboule. Ultime. Sa gueule. Je crois que ça va disparaître. Non, toujours pas. Alors, c'est la cariatide qu'il faut regarder. Ah putain, me dis pas qu'il y a aussi les tentacules qui cachent une arme, ce serait horrible. Il va mourir. Coup de météore et c'est fini. Non, mais arrêtez avec les cailloux.
Raté. Le boss nous cache. La robe de coup. Bâton magique. Oh. Oh, l'armée de Genji, tiens. Elle n'en sent pas les coups. Bon, on le défonce, on le défonce pas, ça commence à être long quand même. Je parle de la tentacule qui reste là. Ça a une tentacule hein. Ben voilà, c'est fini. Ah non, il est encore là. Raté. Ça m'énerve! On est à la fin du jeu, ils ratent tous, c'est chiant! Ça y est, y'a déjà un. Putain. Un peu mieux. On a un peu de temps. Pour 4000 de dégâts. C'est incroyable. C'est pas des pieds ça. Ah si quand même. Bonjour. Non, c'est des dégâts pile poil. Patronium. Il a plus beaucoup de mana. Raté. Bravo Bibi. Pas raté. Enfin, je maîtrise pas du tout Quina. Hein. Quina, depuis un moment maintenant, elle fait plus rien. Elle ne fait plus rien du tout. Oh, attends, attends, attends. Peut le manger ou pas? C'est un gros pouce. Bon, on va voler la robe de Quina, ça sera déjà pas mal. Ça, je peux pas le rater. Ouais, au moins une robe de coup. Va nuit derrière. Ok, bonne idée. Ah, à moins que Tonya me l'achève avant. Allez, Quina, tu peux le bouffer derrière. Il reste des PV. Il est pas mort. Coup de pied. Un coup de fouet au chaud. Dernier atonium de Bibi. Impossible d'avoir l'énium. Je gâche mes tours. Oublie la robe de couille, c'était vachement difficile. Et maintenant, la mort. On va retenter de voler si tu peux avoir le bâton. C'est pas un boss dur donc ça peut le faire. Si je le tue c'est pas grave. H2O, 1900. Par contre c'est un double soin. Ah elle a pas de double soin. Dans la merde. Regarde la bébé, fais les dégâts. On le désingue. De fourchette. Ah, Bibi commence à prendre assez cher. Ah, Bibi vénère, mais Bibi ne peut plus. On va stocker. Hein. Roboros en mode France. On va faire un petit 9999, ça, non? Même pas, putain. C'est la merde, les gars.
trouver des fourchettes. Un mythique, c'est un peu. Vous voulez le Genji. Le bateau était plus facile à voler, je comprends plus rien. Excusez-moi. Je rêve où je viens de voler le meilleur objet. La logique de ce vol. Ah, tout va bien, Bibi, stop. J'ai fait un soin. Viens d'où le robot rose? Mais putain, elle est vraiment conne! Vous pouvez pas me laisser prendre le bâton, c'est pour ça que j'ai soigné, mais quelle conne! Elle m'aura gâché jusqu'au bout, celle-là aussi! Il est multi-boom. Gros résurrex. 2 tours. J'ai battu. Putain, le lieu en plus il est hyper large. C'est pas labyrinthique, mais putain que il y a des trucs. Il y a pas de temps. On va aller sauvegarder. Oh non, j'ai deux boss, ça fait du bien. Fina, si vous voulez, mais je peux pas te garder en fait. Tu ne fais pas l'unanimité pour moi. On va avoir besoin finalement de. Apprendre Trainer et Frélo. On va garder Daga pour. On est pas mal, je crois. On va plus voilà, chercher avec Trainer. J'ai chopé d'ailleurs le truc de Gedin. L'armée Gedin donne plus de 20%. Toi, tu sois échappé belle encore, mais c'est pas fini. Et le HP 20% que j'avais donné à Trainer. Rien. Je récupère là. La finale, c'est très bien le jeu. Ça va me choper les bons trucs. Chopé le truc Genji, on a chopé la robe de pluie qui sert pas à grand chose. On va avoir un leader. Ce n'est pas un signe. Le quin, normalement, c'est ça que je peux faire quand. Double sauvegarde. Et on va faire la première coupure et je vais commencer à réfléchir à savoir où est-ce que j'aurais raté un potentiel objet. On va faire demi-tour vite fait. Et après, on va continuer l'histoire tant pis si je rate les objets. A tout de suite les gens.